Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo premier rendez-vous. Alors, en ce qui concerne la tenue, la préparation et tout ça, je laisse le soin à la jolie Laura de faire son Get Ready With Me et je vous invite à aller voir sa vidéo. Moi, personnellement, je vais traiter de tout ce qui est conseil. Jamais de la vie, on hésite entre se brosser les dents et manger un chewing-gum. On se lave les dents, c'est même plus important que se maquiller. Non mais oh là, hein? Pour un premier rendez-vous, il faut choisir le bon lieu, donc vous avez le choix entre parc, café, ciné, enfin, de préférence un endroit public parce que bon, si vous l'avez rencontré sur Tinder et que c'est un fou furieux, vous pouvez toujours courir. Les choses à ne pas faire lors d'un premier rendez-vous. Faire que parler. C'est très piquant, après je sais pas si t'as déjà goûté. Oui. Après bon, si t'as déjà goûté, on pourra aller goûter autre chose. T'as déjà goûté autre chose? Oui. Après si t'as déjà goûté autre chose, ce qui est bien aussi c'est le jambon. Écrire des SMS. C'est parti comme ça, c'était mon furet. Que j'adorais, je l'ai vu à Noël, c'était Tati Tata qui me l'avait offert. Mmh. J'espère que tu me comprends. Tu parles de quoi déjà? Ah. Oh, il est bon ce soda. Ouais, j'aime bien. Parler des ex. Après, bon, Arnaud, c'était un mauvais coup. Je préférais son frère qui était Jean-Bernard. C'était plutôt pas mal avec lui. Mais. Attends. Arnaud, François, Jean-Bébert, tout ça. Enfin, moi, c'est. Ça commence à pompon sur la Garonne, d'accord? Moi je suis pas venu ici pour pas que tu me parles des ex, d'accord? Allez, moi je me casse. Oh, ça va. Se tromper de rendez-vous? Tu fais quoi là? Mais en fait, t'es moche en vrai, t'étais plus beau en photo, hein? Je me casse. Faire la princesse? Bah si, je me suis lavé. Non mais attends, moi je me prends quand je me lave. Alors tu vois, je mets 3 shampoings. Tout d'abord, je mets un shampoing pour alléger mes cheveux. Mais moi aussi, pour les rendre. Non mais je suis en train de parler là, tu peux me laisser finir? Genre depuis tout à l'heure tu fais que parler, moi je peux même pas parler une seule fois. Bref. Draguer la sardine ou la sardine. Attends, serveur. C'est juste génial. On a beaucoup de points en commun je trouve. Non mais oui, alors là. Comme nos amis Facebook d'ailleurs. Bref. Non mais c'était cool. Bonsoir, tout se passe bien? Oui, merci. Et je vous rajoute quelque chose? Ah ouais, moi je veux bien. Voilà, ici. Voilà, merci. Bonsoir. Merci. Oui, donc Elle est super bonne. Quoi? Elle est super bonne. Madame, revenez. Quoi? Non mais toi on s'en bat les couilles, allez, casse-toi, on s'en a. Laissez un blanc très gênant. Ça va? Je sais pas si je t'avais dit. Ça va et toi? Ça va et toi? Et terminé le rendez-vous. Non mais c'était bien, j'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé, c'était cool. On va prendre un verre à la maison. Attention, cette phrase sonne souvent comme viens, on va baiser. Après, ça dépend de ce que vous voulez de la relation, mais bon, comme ça, vous êtes prévenus. Évidemment, oui. On se rappelle? Ouais. Ok. Pas de soucis. Bon allez, bonne soirée. Ciao. Mireille, t'as oublié ton bœuf séché? Hey. Salut. Salut. Alors, t'en penses quoi? De lui? Ouais. Moyen. Moyen? Ouais. Vraiment très bien. Très moyen. T'aimes bien c'est sa coupe de cheveux? Non. Non. Franchement, c'est pas du tout ton style. Non. Non, non, c'est pas. Non, t'as raison. T'as raison. Non, t'as raison. Je prends en compte. Super. Désolé. Hein, mais... ouais, désolé. Mais bon, il conseille pour moi donc. Ouais. Après tout, je peux pas me passer de lui. Désolé. Par contre, t'aurais pas un numéro s'il te plaît? Si, j'en ai un. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, je sais pas. Écoute, pour toi il est pas bien, mais. On peut tout essayer dans la vie, je veux dire. Mais vous êtes sérieux là? Ah non, mais toi j'aime pas, mais tu m'aimes plus, tu me parles pas non plus. Allez hop!